prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. J'prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'taille la route pour South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et j'vous présenterai des potes. On se retrouve pour une vidéo qui va se dérouler, je pense, que dans le Canada. Voilà, on est au Canada. Voyez, on a déjà passé la frontière. Au revoir. Ah là là. Ça va me manquer, les États-Unis, South Park et tout. Non, con. Ouais, bienvenue au Canada. On a toujours pas vu le vieux, le vieux là qui clone sur sa colline à South Park. Est-ce qu'on le verra? C'est un des personnages mythiques, donc j'espère que oui. Bon, allons à Ottawa. Bon, moi, il n'y a pas de zombies nazis dans ce coin. Ouais, ça fait vieux RPG, putain, ça me rappelle mes parties sur Final Fantasy. Non, sans doute. Oui, bah, pour ceux qui n'ont jamais suivi South Park, les Canadiens sont représentés comme ça. Best stay here in town, ouais. Those direwolves can rip your anus apart in mere seconds. Oui, je pète tout, et alors. Woo! Who the fuck just walks into someone's house? Il a fermé l'escalier! Tu te fous de ma gueule. Ah, même au Canada, on croise de ces trucs bizarres. Bonjour, marchand. Je pète toutes tes caisses. Y'a un problème? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ah merde, on n'a pas de l'argent canadien. Putain, fait chier. Alors, issu des combats glanés du Schnorr. Ouais. Ouais, je préfère mon arme. Welcome to the shop. Par contre, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu vendais d'autre, mon vieux? Consommable? Non, en fait, t'es une merde. Salut. La banque. Je vais pas filer mon fric, salaud. Welcome to the Bank of Canada. Oh, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. Oh, là. Non, attends. Come back, son. Welcome to the Bank of Canada. Oh, American money. Ouais, on file du fric. Voilà. Je pense que ça devrait aller mieux. Mais bon, je vais quand même pas acheter sa merde à l'autre. J'attendrai d'avoir un meilleur mec. La capitale de tout le Canada. Non, sans deck. Salut. Je voudrais faire reposer mon Pokémon. J'aime Canada. Stocké dans des vases à travers tout le Royaume du Nord. Ok. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for $5. Not a good. Come back whenever you need healing or another HIV test. Bon, allons voir le prince. Bonjour les gardes. Talking to the prince is the best part of the tour, or the candelabras, depending on where you're into. Sorry, Dad, I'm on duty. J'ai l'impression qu'ils ont tous qu'une ligne de dialogue, donc voilà. It's a self-guided tour. You're gonna have to figure it out on your own. Oh, alors qu'est-ce que je peux péter d'autre? Tesson pixelisé. Qu'est-ce que c'est que ça, que truc encore? Ok, trois points d'exclamation. N'importe. Eh ben dis donc, franchement, on a vieilli un niveau jeu là, on est repassé dans un vieux truc. Oh, hail the prince and princess of Canada! Hail, yeah! Ok. Sorry, Dad, I'm on duty.
The audio tour is narrated by Brian Adams. Tu te le dis, mec, je te crois. Non, je vous parlerai plus tard. Talking to the prince is the best part of the tour. Or the candelabras, depending on what you're into. The castle isn't just a gift shop, you know. It's also home to our royal family. Non, sans deck. J'aurais pas cru. Pudding royal avarié. Soupe de mana, ouais. Ah, mais traditionnel servi à l'occasion de toutes les noces et célébrations royales. Ok. En fait, c'est la dernière vidéo avant qu'on passe à South Park. Hein. Et après, il y aura, je pense, une toute dernière session. Hein. On aura bientôt fini le jeu, ne vous inquiétez pas. Enfin, je finis un jeu solo, ça fait longtemps. Et Sam et Max, je pense aussi. Encore trois séances, techniquement. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the Great Border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel to Quebec and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with direwolves. You know what direwolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Les affreux loups. Il est fou, affreux loup. En direction du nord. Ouais, on a fini une quête. Et oui, pour en démarrer une autre, évidemment, vous êtes cons. Explorer le Canada à la recherche de quelqu'un capable de traduire les documents que vous avez dénichés dans la clinique d'avortement. Remettez ouais, au compte de Winnipeg pour voir ce qu'il peut les traduire. Putain, j'ai hâte qu'on rencontre Terence et Philippe. Ah oui, qui dit Canada, dit Terence et Philippe. Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7? J'adorais là, il y avait une musique style Pokémon quand les mecs ils t'agressent. All right, there you go. You can exit right through there. Well, I would have picked a 5x7. Mais je t'emmerde. Au moins, genre, j'ai pris des photos. Est-ce que je vais me faire des amis quand même au Canada là? You already got your photos. Go on, get out. Allez du balai. Mais non, mais va te faire enculer. Est-ce qu'on peut les avoir en amis eux? Je me demande. You should speak with the prince. I'm here for looks mostly. Back already? Wow, you are fast. Wait, you haven't spoken with the Earl of Winnipeg. Get out of here. Sors d'ici. Bah, on va avoir les affronter les affreux loups. Non, je refais pas la blague de merde. Ne vous inquiétez pas. Ah, punaise. Aïe! Alors, les loups canadiens, ça ressemble à quoi? Ah ouais. Oh putain de merde! Ah ouais! Quand même! Ouais, mais ta gueule. Ouais, professeur K.O. quand même. Par contre, en effet, les affreux loups, ils font mal, hein. Ah!
Bah, ah bah il en reste plus beaucoup de points de vie, ça va. Par contre, je vais essayer de les éviter ensuite, parce qu'il faut quand même sacrément mal. Ils continuent d'aboyer alors qu'ils sont plus là. Et ouais, du fric. Affreux crocs pointus. Ouais, on va essayer de les éviter. Putain, parce qu'ils font mal. Vous avez déjà vu une affreuse griffe, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu un affreux crocs pointus, n'est-ce pas? Ouais. Bonjour la grotte. J'ai pas confiance en cette grotte, pas vous? Mais c'est l'heure mauvais. Alors, à secours. Ok. Bon, je devine qu'il va falloir découvrir un pouvoir pour aller voir le ministre du Canada qui s'est parlé là. Je devine une connerie comme ça. Vu que la roche, je peux pas la paix. Non mais je sens rien, loup. Non mais c'est abusé ça. Et après on s'étonne si je meurs. Non mais c'est abusé ça. Je vais mourir. Mais je vais mourir, je peux rien faire là. Forcément mourir là. Putain. Bon, en tout cas, faudra y revenir plus tard pour l'autre ministre là. Allez, l'attaque super folle. Adieu. Affreux cœur, what the fuck. Encore un nouvel item fou. Vous avez déjà vu un affreux cœur, n'est-ce pas? Ouais. Moi je vais aller à Winnipeg. En tout cas la grotte faudra y retourner. Une autre fois. Non, tu te fous de ma gueule. Bah non, j'irai pas à Winnipeg tout de suite. Allons à Vancouver. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Sandek. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Ok. Bon. Oh tiens, mais cette baraque nous rappelle quelque chose. Oui, oui, c'est chez Terence et Philippe. Malheureusement, ils sont pas là. Punaise. Où est-ce qu'ils sont? Bon, bah, on va quitter leur chez-soi. Bon, ensuite... Ouais, je pète les fleurs, et alors, c'est quoi le problème? Feuilles d'érable. Ok. C'est misérable. Inutile, mais l'acheté est passible de pendaison dans tous les états canadiens. Bah donc, ne jamais jeter les feuilles d'érable au Canada. Si vous voulez pas mourir. People come from far and wide to buy our 2010 Winter Olympics merchandise. Ouais, si tu le dis.
People come from far and wide to buy our tickets. Oui, mais je veux appeler à l'autre. Bon, qu'est-ce que tu me vends, toi? De la merde? Mais vous avez que de la merde, les gars, là? Je suis comme Link! Je pète tout ce que vous avez! Mais toutes les plantes, il y a des feuilles d'érable, c'est quoi ce bordel? They say that the Duke earned his title by winning a law brawl with the last Duke. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Okay. The Duke of Vancouver is a very busy man. No, I didn't know that. Ouais, bah ça, je l'ai remarqué que c'était un mec très occupé, là. No, I haven't seen that. Ouais. Ta-na-na-na. Wow. H cranté du déchirement. Casque de barbare. Alors, c'est quoi cette nouvelle-là? C'est encore de la merde? Eh bien, dis donc. En cas d'attaque parfaite, vous détruisez 30 d'armure en cas d'attaque. Ouais. Moins. Ouais, bof. Plus 70% d'armure. Ouais. Qu'on fait Alors, augmente les PV max de 25. Et plus 70 d'armure réduisant les attaquer. Ouais. Faut peut-être pas déconner, oui. C'était sympathique quand même d'avoir plus de points de vie, mais... d'avoir beaucoup plus de résistance aussi, donc... Donc je préfère avoir ça. Ah bah enfin un truc assez sympa au Canada. Je n'ai rien contre le Canada. Bah, alors mec, c'est qui que je cherche d'ailleurs? Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? Let me call you back, Larry. What? C'est qui que je cherche en fait? Au comte. Ouais. Bon, bah le comte il est pas à Vancouver. Putain, ne dis pas qu'il est là où l'endroit que le loup garde, hein, parce que ça m'énervait. Ouais, ok. On va dire qu'il est à Banff. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. La meilleure sodomie, ouais. C'est quoi le bordel? Ah bah tiens, il y a Céline Dion. Ah, Céline Dion. Bon. Bonjour. Combien de minutes? Ah, okay. Vivement qu'on retourne en version meilleure. Augmente les PV. Max. Faut faire résurrection au début d'un combat. Je vais te prendre ça, mec. Vous gagnez. Ouais. Je pense. Oui, je vais avoir une moins bonne défense, mais plus de points de vie. C'est le prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, mais ta gueule, toi. Ouais, regardez, j'ai la classe. Oui, je veux te vendre, mec. Pas te vendre, non. Mec, je vais te vendre. Bonjour, Esteban. Bon. Oui, j'ai plein de trucs à te vendre, ça fait longtemps que j'avais pas vendu. Au revoir. Faut bien que je vende mon bazar de temps en temps. Hein. Eh ben on aurait visité pas mal de villes au Canada. Mais... attends, pourquoi tu... t'es pas de bonne fête? Ok, il y a des trucs bizarres franchement au Canada. Non mais j'ai l'impression qu'il faut aller là où il y avait le loup, putain de merde.
Test positif au foot. Ok. Wow, ça c'est badass. Ah ouais, quand même, la cible se met à saigner en cas de touche jusqu'à deux cibles aléatoires. Bon, ça c'est un peu moins bien, mais on va la prendre. Oui, je sais, il la tient bizarrement. Bon, en même temps, s'il mettait ses mains comme ça, je pense que il en aurait plus. Ouais, ce serait assez dérangeant. Eh, bientôt niveau 14. Attends, vous pouvez voir pour un nouvel objet là. On dirait que quelqu'un souffre d'affreux fruits de crâne. Mon corps change VHS. Je considère à l'ère du VHS comme matériel par excellence de sensibilité au. Ouais. Bonjour. Praise Christ! Praise God! Praise God and Christ! Ok. Bon, mais j'ai pas. Ben, il reste plus qu'un endroit où aller, hein. Enfin, un endroit. Ah, ma queue, j'essaye de monter. Ouais, bon. C'est bon, on a compris. C'est bon, ils sont étourdis au moins. Ah putain, bien dégommé celui-là. Oh bordel. Eh mec. Allez Butters, dégomme sa face. Haha. Dégage sacré. Une nouvelle victoire pour les gentils, oui, c'est ce qu'il dit. Ouais, bon. On va dire que c'est ici. Bonjour les gars, pourquoi il y a des loups qui gardent votre truc? Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever you want with your T's and N's, however. Okay. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever you want. Oh putain, il y a aussi des affreux ours, merde. Tout est affreux dans le coin. Bon, mieux qu'ils disent, eux. You know what Winnipeg is known for? Neither do we. Welcome to the shop. Can I interest you in my wife? Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi il y a un mec qui est mort au fond, là? Bon, en fait, je veux pas le savoir. Bonjour. They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. Deux moines. Tu parles de Terence et Philippe? This poor citizen was killed by a dire bear. Know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. Okay. This poor citizen was killed by a dire bear. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. It's like know what a dire bear is, right? Dire. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. Putain, mais laisse-moi passer. Know what a dire bear is, right? Bon, ben, l'affreux ours, on devine que ce sera un boss après. Logique. Ils vont pas nous présenter comme ça pour décorer. Allez, feuilles d'érable. Bonjour mec, je viens péter tous tes vases. Ça me dérange pas, j'espère. Bon. Ah yes, this writing is definitely Canadian. Why should I help a foreigner when Winnipeg is completely... C'est les Français, connard. Tell you what, kill off all the dire bears in the north of town, and I'll help you however I can. Ah ouais. Abattez les affreux ours de Winnipeg. Ouais, mec, pourquoi pas? Non mais tu vois, je me sens pas trop chaud. Bon, on va s'arrêter là. Oui, parce que je pense que le boss va durer un petit moment, donc on se retrouve et on le garde pour la prochaine fois, le boss.
Alors bonjour, au revoir, et on se retrouve prochainement pour d'autres trucs, Minecraft, Sam et Max, Winnie l'ourson, Pays des Ch'tombes, bye.